Je m'appelle Thomas Vail, ou du moins c'est ce que je croyais. Je suis photographe. J'avais tout. Une femme, Allison, des amis, un métier passionnant. Et en l'espace d'un instant, on m'a tout pris. Tout ça à cause d'une photo. J'ai le négatif. Ils sont prêts à tout pour l'obtenir. Je tiens ce journal pour prouver que ces événements sont réels. Je sais qu'ils le sont. Ce n'est pas possible autrement. Le temps. Le temps avait une signification dans ma vie. Il y avait un temps pour tout. Le travail, les dîners entre amis, la tendresse. J'avais du temps à l'infini. Depuis que ma vie est devenue ce qu'elle est, le temps ne veut plus rien dire. Ce soir-là fut néanmoins une exception. J'avais rendez-vous, un rendez-vous téléphonique qui était susceptible de m'apporter des informations décisives. Oui, entendu. Bien sûr. Allô? J'ai changé d'avis. Ne comptez pas sur moi. Je veux la liste des noms. C'est tout ce que je vous ai demandé. Leur grade et leur affectation en 92. Je savais que je vous parle de naturel. Mais pourquoi serait-il au courant? Je n'ai pas besoin de vous connaître ni de vous rencontrer. Tout ce que je veux, c'est cette liste. Je n'aurai pas le temps. Je vous en prie. Vous m'avez dit que votre conscience ne pouvait pas ne pas réagir. Je sais, je suis bien d'accord. Mais le temps ne joue pas en ma faveur. C'est la peur qui contrarie votre sens moral? Demain matin, 8h, la tour Iceworks Place Jordan. Si vous n'êtes pas à l'heure, je n'attendrai pas. Écoutez. Je veux le négatif. La quête commence pour les noctambules, la quête des réponses qui se dissimulent dans l'obscurité. Vous êtes avec Corina, votre lueur dans la nuit qui vous conduira jusqu'à l'aube en vous tendant une main secourable. Allez chercher l'anesthésie, mon pauvre. Voilà, c'est fini. Je vais voir ma fille encore à temps. Je vous conseille de ne pas trop solliciter votre bras si vous ne voulez pas faire sauter les points. Vous devez souvent faire de la couture avec la faune qu'il y a dans le quartier. Qui sont ces grandes brutes tendances rétro-punk? La bande de Mackie. Si vous avez eu un problème avec eux, je vous conseille vivement de rentrer chez vous. Ou je vous réserve un casier à la morgue tout de suite. Qu'est-ce qu'ils ont de si particulier, ces types-là? Ils sont pires qu'une meute de chiens enragés. S'ils vous croisent sur leur territoire, ils vous sautent à la gorge. Comme d'autres, vous direz bonjour. Et il est où, leur territoire? Il est compris entre la 93e et la 95e rue. Quatre immenses pâtés de maison. L'enfer au cœur du monde civilisé. Il y a une blessure par balle. Chirurgien, et préparez le bloc 3.
Avancez à pas feutrés, gentil curieux. La nuit a beau être douce, elle enferme le secret de nos peurs les plus enfouies. En descendant du bus, j'avais l'impression de quitter le monde civilisé et de pénétrer dans une jungle. Pas la jungle que l'on trouve au Chili, à plusieurs milliers de kilomètres d'ici. Une autre, bien plus proche de nous, comme un monde parallèle. J'avais 11 heures devant moi avant mon rendez-vous, une nuit. Il fallait impérativement que je récupère mes négatifs. J'aurais simplement dû explorer les lieux avec plus de prudence. Je cherche pas les ennuis, vraiment. Bah, tu t'es trompé de quartier, mon grand. Je sais que je suis sur votre territoire, mais quelqu'un de votre gang a un sac qui m'appartient. J'aimerais qu'il me le rende. Je suis venu le récupérer. Il a rien sur lui. Tu traites l'un de mes hommes de voleur, t'es gonflé? Non, pas du tout. Il y a quelque chose dans mon sac dont j'ai besoin, absolument. Ça n'a vraiment aucun intérêt pour lui. Qu'il garde le reste s'il veut, je lui laisse. T'es généreux comme mec. Seulement l'ennui, c'est que tout ce que ramassent mes hommes, on le garde. T'as enregistré? Ouais. Bien. Quand je peux, j'aime bien dissiper les malentendus. Allez, on se casse. L'errance a parfois un goût amer, cher promeneur solitaire. Mais dites-vous bien ceci, même si vous voyagez dans les ténèbres, rien ne vous oblige à vous y aventurer seul. Du fric? Non, j'ai pas grand chose. T'as combien? Tu serais pas mieux chez toi?
tranquillement chez tes parents. Non. Et toi, qu'est-ce que tu fais là? T'es pas du quartier, ça c'est sûr. Qu'est-ce que tu fais là? Moi, eh ben, je cherche un mec. De la bande de Maki. T'es pas sérieux, là? Si, je m'en passerai bien, mais j'ai pas le choix. Il fait dans les 1m90, il a des biceps comme ça, il a une chaîne qui part du nez jusqu'à l'oreille, c'est le prince charmant. Tu vois de qui je parle? Il y a plusieurs règles dans le monde de la rue. Et la première, c'est de pas se balancer entre nous. Secourir une jeune femme, on a bien sûr une autre, mais... Qu'est-ce qu'on deviendrait sans ceux qui sont pas des quartiers? Il s'appelle Talmy. Il habite au deuxième étage. C'est sa fenêtre, là. Mais tu devrais pas y aller. Attends au moins demain matin. Non, j'ai pas le temps. Comment tu t'appelles? Margot. Merci, Margot. La nuit est propice aux rencontres hasardeuses. Soyez vigilants, chers amis. Soyez vigilants. Gardez toujours une distance respectable. Trois balles dans la nuque. C'est le blond tout à l'heure. Ça peut être que lui, on aurait dû le buter sur place. Vous avez vu quelque chose? Moi, j'ai tout vu.
Approche. À quoi il ressemblait? Le pourri qui a fait ça? Il est sûrement pas de chez nous. Il a à peu près ma taille. Les cheveux clairs. Ramenez-le moi vivant. L'essence de la vie, mes doux chercheurs. Alors poursuivez-la sans relâche, acceptez vos peurs, vos doutes, et suivez le chemin de la vérité, où qu'il vous conduise. Mais c'est uniquement sur invitation. Je cherche quelqu'un qui a pu entrer ici. Il est blessé à une jambe, perdu son... Non, monsieur, je regrette. Vous ne pouvez pas rester. Il faut... C'est pour ça que j'ai horreur de venir dans ce quartier. Qui est-ce? Il est blessé, tu as vu? S'il vous plaît, messieurs, dames, excusez-moi. Je ne veux pas vous agresser, je cherche quelqu'un. Je ne fais rien de mal. Je ne sais pas, vous pourriez peut-être m'aider. Je cherche quelqu'un, c'est important. Bon, tu sors maintenant, ça suffit. Pas de panique, je cherche quelqu'un. Oui, je sais, j'ai entendu. Je ne cherche pas les histoires. Je savais qu'on arriverait à se comprendre. Je ne fais rien de mal, je cherche un mec très grand, avec une queue de cheval, il a un imper noir. Je veux savoir s'il est entré ici. Non, vous l'avez pas vu? Non, vraiment pas. À part toi, j'ai vu personne. Allez. On pourra t'acheter un plat chaud.
camion, là. Et là, par ici. Viens te confesser, Maquis. Dégage, ça te regarde pas. Tout ce qui se passe dans cette église me concerne. C'est quoi le problème? On n'a rien fait. On cherche quelque chose, c'est tout. Tous les soirs, c'est pareil. Vous cherchez quelque chose ou quelqu'un. Et rarement pour de bonnes raisons. Ce que tu cherchais, t'as fini par le trouver. Alors laisse-moi trouver, moi aussi. Ce que je cherche se trouve ici. Et là aussi. Je n'ai jamais eu besoin d'errer dans les rues pour le trouver. Ah ouais? Épargne-moi tes sermons, hein? Je trouverai cette ordure. Tu es dans mon église, Maquis. Ce n'est pas ton fief, ton territoire. Tu comprends ce que je te dis là? Ce soir, toi et ta bande, vous avez rendez-vous avec le Seigneur? Alors rentrez chez vous. On se casse. Vous asseoir dignement sur les bancs de la maison de Dieu. Il n'y a rien que vous puissiez craindre. Excusez-moi. Je suis désolé d'avoir attiré ces individus dans votre église. Qu'est-ce qui vous amène dans le quartier? Vous n'êtes pas d'ici. Vous n'êtes pas le premier à me faire cette remarque. Allez-vous-en si vous le pouvez encore. La protection de cette maison n'a guère d'effet passé cette porte. J'ai quelque chose à récupérer. Quelque chose qui m'est vraiment très précieux. Suivez mon conseil. Ça ne vaut sûrement pas le prix que l'on risque de vous faire payer. Rentrez chez vous. J'aimerais tant. Je demande que ça. L'aube est à mi-chemin, cher Noctambule. Rappelez-vous tout de même qu'aux premières lueurs de l'aube, les réponses sont parfois plus difficiles à cerner. Il m'est rarement arrivé d'avoir envie de capituler. Mais là, je me retrouvais à combattre deux ennemis à la fois. Deux ennemis différents qui avaient la même cible, moi. Et on en revenait toujours à la même chose, les négatifs. J'en ai besoin de ce fric, moi. Et pas dans 15 ans. Non, parce que Julia dit que tu pourras pas me le rembourser. Alors je me demande qui je dois croire, elle ou toi. J'aimerais bien le fixer. Faut que je téléphone. T'as un problème, papy?
C'est ta gonzesse qui t'a passé un savon, elle a du punch. Attends, il y a une solution très simple, tu sais. Je rapplique, tu me prépares le fric et je me casse. Comme ça, je suis sûr de palper la monnaie. Ça marche. Qu'est-ce que... D'accord, je te laisse, pas de problème. T'inquiète pas, je m'en vais, je m'en vais. Centre d'opération, j'écoute. C'est Angler, A9 Delta. J'ai le négatif. Il faut venir me chercher. J'ai besoin de soins. Où êtes-vous? Angle 95e et McCarthy. Signalez l'emplacement et maintenez votre position, on arrive. Tournez le regard dans la bonne direction. C'est Corinna qui vous parle, votre lueur dans la nuit qui vous conduira jusqu'à l'aube. Je voulais pas te faire peur. Qu'est-ce que tu fais là? Ça fait des heures que je te cours après. La bande de Maquis te cherche partout. Pourquoi? Ils croient que t'as tué Tiny et les autres personnes qui étaient là. Écoute, Margot, j'ai voulu éviter qu'ils se fassent tuer et je suis arrivé trop tard. Faut pas rester là. Ils pourraient nous tomber dessus. Nous? Mais comment ça, nous? Attends. C'est très gentil de vouloir m'aider. Ça me touche énormément, mais... T'as rien à faire ici. Rentre chez toi. J'ai pas de chez moi. Ben, va où tu veux, je sais pas moi. Mais reste pas avec moi. C'est beaucoup trop risqué. J'ai pas du tout envie de te mêler à cette histoire. D'accord? T'as besoin de moi, pourtant. Mais on se connaît pas. Qu'est-ce que tu sais de moi? Rien. Ce que je sais, c'est que t'es venu à mon secours. Voilà ce que je sais. Et que j'avais moins besoin de toi que toi de moi. Qu'est-ce que c'est? Les conduites d'eau. Quoi? Ce bruit, là? Allez, viens, faut pas rester ici. Je m'étais pas trompée. Écoute. Qu'est-ce que c'est? C'est comme ça qu'ils communiquent. Ah, maintenant, je comprends. C'est ça que j'ai entendu toute la nuit. Je me demandais... Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ils savent où on est. Viens! Où on va? Là où ils vont pas. Ils vont vers le nord. Comment tu le sais? Je sais décoder. Ils sont passés il y a pas longtemps. N, piège, 1, 9, 5. Maquis a déployé ses hommes de nobles jusqu'à la 195e. Par la 193e, on devrait être peinard.
Tu sais où est la tour Iceworks? Oui. Pourquoi? Je dois absolument y être à 8h. Il y a un bus qui peut t'y emmener si tu arrives à l'attraper. Si tu veux, je peux t'y conduire. Non, non. Avant, il faut que je retrouve ce mec. Pourquoi? Pourquoi c'est si important? Parce qu'il a quelque chose qui m'appartient. Ça vaut le coup de mourir pour ça? Non, non. Ça vaut le coup de vivre pour ça. C'est capital. Et c'est parce que Tiny t'a pris ce truc qui s'est fait descendre par l'homme que tu recherches? Il voulait téléphoner. Qui ça? Le type que je cherche. Il essayait d'appeler du secours. Il doit chercher une cabine. Ben, elles sont presque toutes en dérangement. Il y en a bien qui fonctionne. Fouillez le secteur! Trouvez-le! Trouvez-le! Toi, Fulcro. Les pourris dans ton genre, moi, je leur fais pas de cadeaux. Ça marche? Il serait venu là? J'en sais rien, je sais pas. Et la prochaine? Elle se trouve où? Rue McCarthy. Allez, viens. Où est-ce qu'il se cache, Sarah? T'inquiète pas, on va le coincer. Toi, par là. Les trous resserrent. Tu m'étonnes. Remuez-vous un peu, trouvez-moi cette ordure! Il y a quelqu'un dans la cabine. Ouais, c'est bien lui, c'est bon. T'as tué Tiny? Je l'ai pas tué, ton ami. Il était déjà mort quand je suis arrivé. C'est vrai, il y avait quelqu'un d'autre dans l'immeuble, je l'ai vu, je te jure. Bon, leur les yeux, c'est bon. Tu peux pas faire ça. Lâche ça, elle a rien fait. Elle est innocente. Ah ouais? Tu me dis la vérité, sale pourri. Tu me dis que tu l'as tué. Et je relâche la fille. Sinon, elle y passera avant toi. D'accord, je l'ai tué. C'est moi qui l'ai tué, relâche-la. Bien. Très bien! Tu es la fille, tout de suite! Non! Et lui en même temps! Non! Maki! Maki! Il y a quelqu'un qui a tué Blaise, j'étais là! Où ça? Rue McCarthy! C'est sûrement lui, c'est encore le mec dont je t'ai parlé! Boucle-la! Et comment ça s'est passé? Il lui a carrément mis 3 balles dans la nuque! Dans la nuque? Comme Tiny! Et où, rue McCarthy? Près de la cabine, à côté du souterrain, il y a encore! C'est l'homme que vous cherchez, croyez-moi! Ta gueule! Je t'ai dit de la boucler! Je vais la battre, ce chien.
Allons-y. Décolle tes mains, je vais essayer. C'est bon. Vas-y. Cet enfer. C'est quoi mon corps? Votre quartier. Allez. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils sont malades. Avance, fonce dans le temps. Mais fonce, fonce, fonce. Que tu cherchais, c'est bon? Ouais. Quelle heure est-il? Il est 8h moins le quart. C'est où la tour Iceworks? Il y a un bus sur Broad Avenue qui va. Je viens avec toi. Là, ma... Non, non, je dois régler ça tout seul. Écoute. C'est un ticket de transport, tiens. Mais j'en fais quoi? C'est un forfait, tu peux aller où tu veux avec. Tu rentres chez toi, tu sors de ce cauchemar. J'ai pas de chez moi. Mes parents, ils en ont rien à faire de moi. Écoute, ça peut pas être pire qu'ici. Tu peux pas vivre au milieu de cette zone. C'est pas possible. C'est tout sauf la vie ici, y a pas d'avenir. Alors tu retournes chez toi, tu t'en vas? Où est-ce que tu vas après? Je suis en retard, je dois y aller. Merci encore. La nuit nous a quittés, mes amis. Et avec elle, tout ce que vous pensiez avoir découvert. On distingue mieux le chemin de la maison au cœur de la nuit qu'en plein jour. S'il vous plaît. Une image, une photo, des contours, des ombres.
Il faudra attendre le retour de l'obscurité pour connaître les réponses. Qu'est-ce que c'est que cette radio? WKZN? Et d'où ils émettent, vous savez pas? Si, c'est là. Je vais rendre l'antenne à Minoctambule. Je reviendrai au coucher du soleil. Je serai votre lueur dans la nuit, qui vous rappelle que ce sont vos rêves qui guident vos pas. Dans l'ombre ou la lumière, ce sont vos rêves qui font de vous ce que vous êtes.